J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Et nous allons crash tester la nouvelle collection. À l'heure où je vous parle, c'est une nouvelle collection. À l'heure où vous verrez la vidéo, ce sera plus vraiment une nouvelle collection. C'est la Dark Fantasy de Beauty Bay, donc dans le format de palette que je préfère, donc le format de palette 20 fards en fait, tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc j'ai commandé la petite trousse de pinceau. J'ai commandé la palette et j'ai commandé le trio de fards liquides. Donc c'est parti. Donc cette collection est sortie, je pensais que c'était sorti pour Halloween. D'après ce que j'ai entendu dire, non, ce n'est pas pour Halloween, mais pour les fêtes de fin d'année. Donc j'étais un petit peu surprise de voir cette color story. Je trouve que ça fait plus Halloween que Noël. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai une mauvaise info ou pas? Je ne sais pas. J'ai trouvé très jolie. Pour Halloween, encore une fois, pour les fêtes, je sais pas trop, avec ma texture de fard préférée, les fards métalliques, vraiment crémeux, à souhait, enfin vraiment au top. Donc à chaque fois j'achète ce format de palette. Là j'attendais parce que les pinceaux sont sortis bien après, je les voulais trop. Et du coup, j'ai pas compris pourquoi c'était sorti bien après, mais du coup, j'ai commandé. Et du coup, les pinceaux sont magnifiques avec un manche, encore une fois, holographique, très joli, de toutes les couleurs, violet, bleu, etc. On a un gros pinceau estompeur, on a un pinceau plat, alors ils sont sales puisque je les ai déjà utilisés, un pinceau estompeur mais plus fin, un pinceau pour les sourcils, donc avec le côté biseauté et le goupillon, un petit pinceau boule comme ceci. Un pinceau ras de cils, un pinceau estompeur mais plat, un pinceau plat, un gros pinceau estompeur, un pinceau plat mais long, un pinceau boule mais très fin et enfin un pinceau liner que je n'ai pas utilisé de la palette. Je vous la remonte. Il y a 1,4 g par fard. Nous avons 9 fards métalliques comme je les aime, un fard mat pailleté et tout le reste ce sont donc du coup 10 si je calcule bien, 10 fards mat. Et enfin les 3 liquides eyeshadow. Enfin Beauty Bay sort des petits duochrome magnifiques. Donc celui-ci n'est pas duochrome, il est juste gris, mais on a deux teintes vraiment incroyables. Je vais vous laisser avec la swatch party et le make-up et on revient juste après pour la conclusion.
mais ils sont très très bien. J'aime vraiment beaucoup les pinceaux Beauty Bay, c'est pour ça que je les achète à chaque fois. Et là, je les trouve vraiment incroyablement beaux avec la pochette. Donc, rien à dire, je trouve que le kit est très complet et que ça suffit amplement pour commencer par exemple. Donc voilà. Alors, la palette, je n'ai pas testé beaucoup de teintes. Mais je suis un petit peu mitigée. Je trouve que comme c'est une palette de dark, c'est très difficile à estomper, très difficile à travailler. Donc déjà, si vous êtes débutant, n'allez pas vers cette palette parce qu'elle est vraiment très compliquée à utiliser, je trouve. J'ai un peu galéré, je dois bien l'avouer. J'ai utilisé ce fard-là, je trouve pas si, je trouve pas lumineux, je trouve pas, je sais pas. Je le trouve un peu fade par rapport à ce que Beauty Bay nous a habitués. Pareil, celui-ci, c'est parce que j'ai utilisé au pinceau, donc forcément. Non, celui-ci, il est canon. Mais vous voyez, je pense que vous voyez la différence de lumière entre les deux fards. Et du coup, je suis un peu dingue parce que du coup, c'est pas le make-up, je le trouve pas incroyable. Parce que du coup, ça manque cet effet lumineux. Le fard bleu est hyper difficile à travailler. Il est même un peu terne, je trouve. Il est vraiment. Je trouve qu'il perd en couleur quand on le travaille. Enfin voilà. Je suis pas convaincue par cette palette, pour être tout à fait honnête avec vous. Je suis même un peu déçue. Alors, cette palette m'a fait penser à celle de l'année dernière, la Edge of Opulence, que je vous mettrai juste là. Bon, sans les verts, je trouve que ça y ressemble. Après, j'ai l'impression que Beauty Bay tourne un peu autour des mêmes tonalités de teinte et ça commence à devenir un peu relou. Après, je continuerai à acheter parce que vraiment, c'est mes palettes favorites de la marque. D'ailleurs, je pense que je vais revendre les autres parce que vraiment, je suis toujours épatée par celle-ci. Alors, celle-ci, je vais la retester davantage. J'ai envie de lui donner sa chance quand même. Je pense que dans les roses violets, ça va être un peu mieux. Quoique le violet, il va peut-être être un peu. Voilà, le violet, encore une fois. La lumière, elle est où? La lumière des fards Beauty Bay? Je ne comprends pas. Celui-ci, je pense qu'il va être canon. Voilà, vous voyez. En fait, il y a une inégalité entre les fards. Oh my god, il est même magnifique celui-ci. Regardez-moi ça. Waouh, celui-ci est magnifique. Mais vous voyez, il y a tellement d'inégalités entre les fards. C'est un peu dommage sur cette palette, je trouve. Les fards font quelques chutes. Bon, après, c'est très facile à retirer. Mais voilà, je suis pour le moment, je suis un peu mitigée sur cette palette. Alors, est-ce que c'est parce que c'est dark et que du coup, c'est difficile à travailler, difficile à faire, etc. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas hyper convaincue par la palette, même si je la trouve magnifique. Quand je la vois comme ça, je me dis, mais my god, je suis trop inspirée, j'ai trop envie de faire des make-up. Je vais la retester, je vous en reparlerai. Je pense que je vais la mettre dans ma rotation par la suite. Et ensuite, les fards à paupières liquides. Alors, je suis super contente qu'ils soient sortis de leur zone de confort, qu'ils se soient adaptés au marché actuel avec des fards liquides multichrome, hein, duochrome, pour ces deux-là en tout cas. Par contre, j'ai jamais été très très fan des fards liquides Beauty Bay. Je trouve qu'ils ne sont pas opaques. Et quand j'ai retesté, parce que là je voulais absolument ce trio, quand j'ai retesté, ça s'est confirmé en fait. C'est pas opaque. C'est très difficile à appliquer. Moi je l'applique au pinceau. Je ne l'ai pas avec l'embout mousse parce que du coup c'est. Vous allez déplacer la matière, ça sert à rien. Mais par contre, au pinceau, bien tapoté, il faut au minimum 2 couches. Moi, j'ai mis 2 couches parce que je voulais pas que ça fasse trop paquet entre le fard poudre et le fard crème. Mais je sens que ça va filer dans mon pli paupière. Ça, c'est. Je sais pas, je le sens. Je vous ferai une petite notif si c'est le cas. Ce ne sont pas les meilleurs sur le marché, même si j'ai préféré par exemple le fard liquide en coin interne que le fard à paupières dans la palette par exemple. Donc voilà. En coin interne, ça peut être magnifique, mais alors ce genre de teinte en coin interne, c'est un peu compliqué. Et si vous avez l'occasion d'acheter mieux, faites-le. Je pense notamment au Natasha Denona, où j'ai vraiment rien à redire. J'ai aussi ceux-là, les Lethal Cosmetics, que j'aime beaucoup. Ça reste bien pour débuter si jamais vous voulez vraiment investir dans des fards liquides duochrome. Pour commencer, c'est bien. Mais sachez qu'ils sont difficiles à travailler, qu'ils vont peut-être bouger au cours de la journée.
Donc voilà. Bon bah petite déception, hein. Je m'attendais vraiment à un truc de fou et finalement je suis un petit peu déçue. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre justesse. Je vais les travailler au corps, je vais continuer à les tester. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé cette collection, ce que vous en pensez, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout. Vous adorez cette collection, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt!